Les plus chanceux ont pu quitter Sharm el-Cheikh ce vendredi, mais des dizaines de milliers de touristes restent bloqués dans la station balnéaire égyptienne, 6 jours après le crash d'un avion russe dans le Sinaï. La Russie, qui estime qu'il est trop tôt pour accréditer la thèse de l'attentat, a néanmoins suspendu ses vols vers l'Égypte jusqu'à ce que la sécurité soit pleinement garantie. Son ministre des Situations d'urgence assure que l'enquête progresse. Des agents du ministère des Situations d'urgence spécialisés dans les explosifs ont eu accès à tous les fragments de l'avion, a-t-il expliqué. Les autorités égyptiennes ont coopéré et continuent de coopérer pleinement. L'enquête se poursuit et ses résultats seront annoncés. Au moins 40 000 touristes russes se trouveraient dans le pays actuellement, près de la moitié à Sharm el-Cheikh. Mais pour l'heure, aucun plan d'urgence n'a été activé pour les rapatrier. Le rapatriement est en revanche en cours pour les 20 000 Britanniques sur place, mais il se fait au compte-gouttes. 2 avions seulement ont été autorisés à décoller ce vendredi à destination du Royaume-Uni.